de la houle en basse et du vent offshore ce matin sur la Cano. Bonjour à toutes et à tous et bon vendredi. Un vendredi qui commence dans la douceur avec une température extérieure à 12-13 degrés, dans l'eau 13 degrés. Et une marée qui est actuellement en train de finir de descendre. Le plein bas est à 7h55 avec des coefficients de 50. Sur cette fin du descendant, le vent est offshore modéré avec un secteur est-sud-est, 2 à 3 beauforts, le plan d'eau est ridé. Les phases de vagues sont lisses et on a une houle qui est à le longue avec 12 à 13 secondes de période orientée ouest à ouest-nord-ouest. Une houle qui est quand même un peu multipique et en atténuation plus petite que prévu. C'est toujours compliqué à prévoir la taille réelle des vagues face à du vent offshore assez présent. Là ce matin, il y a du 50-70 cm en déferlement régulier. Les séries qui rentrent fréquemment à 80 cm et de temps à autre, il y a 1 mètre. Mais assez rare et comme la houle est assez longue, les séries sont très espacées et la plupart du temps il y a du 50-70. En plus la marée est basse, la houle est ouest, assez longue, petit coef, ça fait des vagues qui ferment un max, creusent au bord. De temps à autre ça casse un petit peu au large mais de manière très rare. Bref, c'est pas super calé ce matin, il y a personne à l'eau, il y a déjà des surfeurs qui checkent. L'évolution pour le reste de la journée c'est un train de houle en atténuation du vent qui va rester offshore. La bouée Arcachon est à la hausse mais avec du vent d'est. Elle est à 3 mètres et 6 secondes. Donc à 9h, 80 cm, 1 mètre, ou l'ouest à ouest-nord-ouest, 12 à 13 secondes de période, vent est-sud-est à 3 beauforts. À 13h, 50, 80 cm, ou l'ouest à ouest-nord-ouest, 13 secondes de période, vent de sud-est, 3 à 4 beauforts. Et à 17h, 50, 70 cm, peut-être 80, ou l'ouest à ouest-nord-ouest, 12 secondes de période, vent de sud-est, 2 à 3 beauforts. Meilleur créneau, au fur et à mesure que la marée montera, ça devrait se caler gentiment. Prochain point, 7h45. Merci.